Salut Terrien, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous parler des hanches. Bon nombre de personnes ont les hanches qui s'enraidissent avec le temps, les hanches qui ont du mal à monter. Du coup, on a des problèmes pour marcher, on a des problèmes pour monter les escaliers, on a des problèmes pour mettre ses vêtements. On a fait une vidéo là-dessus dernièrement. Mais je vais vous montrer aujourd'hui un petit enchaînement de trois petits mouvements qui vont vous permettre de dérouiller les hanches. Voilà. On va d'abord regarder sur des éléments anatomiques ici. Donc là, la hanche, c'est l'articulation entre, vous voyez, la tête de fémur et le bassin, et qui doit normalement être parfaitement mobile dans un maximum de directions possibles. Donc la hanche est encastrée et c'est pourquoi elle ne se disloque pas. Donc voilà, donc là je vais vous montrer l'intérieur du corps. Donc vous avez les muscles psoas et iliopsoas qui sont les muscles qui relient donc la colonne vertébrale aux jambes. Et ici on voit le psoas arriver, donc on va faire travailler particulièrement cette zone-là. Et sur l'arrière, vous avez les rotateurs externes de la hanche. Ce sont les muscles qui permettent donc de tourner le pied, tourner la jambe vers l'extérieur. Donc, il faut que vous trouviez un endroit où prendre appui. Alors là, je vais me tenir sur l'arrière grâce à cet espalier pour que vous voyez mieux. Mais en réalité, on le fera plutôt comme ceci. D'accord ? Donc, je vais me tenir comme ça. Et je vous montre les trois mouvements. Les trois mouvements, le premier mouvement, c'est donc de lever le genou. Voilà, on le lève et on le baisse. Ensuite, on va le tourner vers l'extérieur, comme ceci. Et ensuite, on va le tourner vers l'intérieur, de l'autre côté. Donc, on lève, on tourne vers l'extérieur et on tourne vers l'intérieur. D'accord ? On lève, on tourne vers l'extérieur et on tourne vers l'intérieur. On va le faire de dos, on lève, on tourne vers l'extérieur, on tourne vers l'intérieur. On lève, on tourne vers l'extérieur, on tourne vers l'intérieur. On va le faire de côté, on lève, on tourne vers l'extérieur, on tourne vers l'intérieur. Voilà, on lève, extérieur, intérieur. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire tous les jours, bien évidemment, comme on se brosse les dents, il faut travailler son corps pour retrouver de la symétrie. Bien évidemment, je vous ai déjà expliqué qu'on est droitier ou gaucher. Du coup, on se penche beaucoup plus du côté droit si on est droitier. Donc la hanche droite, souvent, est bien plus bloquée que la hanche gauche, même si elle est plus forte. Bien souvent, elle est raide parce que tous les muscles que je vous ai montrés, eh bien, sont noués et on manque d'étirement. Voilà pourquoi il faut dénouer ses hanches et il faut essayer de leur redonner une symétrie, une mobilité qui soit la plus symétrique possible. Voilà, travaillez bien ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.